Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petite vidéo de la semaine, notre rendez-vous hebdomadaire avec Xur. Et autant vous dire tout de suite que j'ai de très très mauvaises nouvelles à vous donner. Il n'y a pas de munitions violettes à nouveau cette semaine, donc ça confirme ce que je pensais sur le fait qu'on nous a définitivement enlevé les cartouches de munitions spéciales pour ce vendeur de l'agent des neufs. Donc maintenant, la seule stratégie, la seule solution, c'est de procéder par le biais d'Eris ou par le biais du vendeur d'armes, donc en l'échange de cire noire et de lumen. Donc voilà, les cartouches violettes, je pense que c'est définitivement terminé pour Xur. Donc on va quand même faire un petit détour au niveau de l'équipement exotique et des améliorations malgré tout, même si bon, je pense que les trois quarts d'entre vous sont déjà très 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 déçus. Donc côté équipement cette semaine, Xur nous propose la serre en casque de titan, également ne me touchez pas, donc en gantelet pour les chasseurs. Donc à partir de maintenant, on ne présente plus les équipements, je pense que vous les connaissez tous puisque ça a à peu près fait le tour tout le temps. Enfin, on change d'équipement pour les arcanistes. Ils nous proposent les gantelets solaires. Je pense qu'il était temps parce que franchement, le plastron de l'arcaniste, j'en avais un petit peu marre de le voir. Côté armes, ils nous proposent le plancé. Donc c'est bien pour les collectionneurs d'armes exotiques. Mais toutefois, ce n'est pas une arme super, super efficace. Donc là aussi, un peu déçu au niveau de l'arme exotique qu'ils nous proposent cette semaine. Après, vous avez bien sûr, comme d'habitude maintenant, un éclat exotique et un engramme exotique. Celui-ci, c'est un engramme de gants. Côté amélioration, on retrouve la symbiote pour les chasseurs et l'écusson d'Alpha Lupi. Ensuite, vous avez la forteresse crânienne pour les titans avec pas de plan B, donc le gant. Et pour terminer, pour les arcas, vous avez le crâne du désespoir d'Amkara et la lumière par-delà l'adversité. Donc ça, bien évidemment, c'est pour tous ceux qui possèdent déjà ces équipements et qui souhaitent les améliorer en échange de 7000 lumens et d'un éclat exotique. Côté amélioration d'armes, on retrouve l'ombre et lumière et la souros. On retrouve également le multifonction Mida et le chardon. Et pour terminer, le brise-glace qu'on n'arrête pas de voir ces derniers temps. Et le conseil suprême également qu'on voit très régulièrement. Côté rareté, on retrouve la télémétrie des revolvers, la télémétrie des fusils à pompe et des lance-roquettes. Donc ça, ben, c'est un grand classique, plus les améliorations pour les passereaux. Donc voilà, un petit peu décevant Xur cette semaine. Je pense que ça va être de pire en pire avec le temps et je pense vraiment que les munitions violettes, on va plus les retrouver du tout. Même une fois par mois, parce que là, je crois que ça fait déjà 4 semaines d'affilée qu'on n'a plus de munitions lourdes. Donc ben, malheureusement, c'est terminé, il faut savoir passer à autre chose. En tout cas, j'espère que ces équipements vous auront plu. Moi, c'est pas mon cas, puisque j'ai à peu près tout ça déjà. Bon, en même temps, ça fait un moment que je suis sur le jeu. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que Xur sera plus prometteur la semaine prochaine, si comme moi, vous êtes déçus. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !